Mademoiselle Alexandra Soler, championne de France junior, entrée en salto avant à la poutre. 14 ans seulement, mais déjà beaucoup d'ambition et d'assurance. Voilà, progression arrière acrobatique importante, où il ne faut pas perdre ses repères visuels. Un salto arrière qui est décalé, flip enchaîné. Pas mal. Avant. Pas mal. Pivot. Ça n'a l'air de rien, mais beaucoup de gymnastes, même les plus renommés, perdent l'équilibre sur ces petites, ces petits enchaînements. Aïe. C'est original. Oui, oui. Il n'a pas bougé. Le travail près de la poutre est imposé par le code de pointage, donc vous verrez chaque jeune fille s'en rapprocher à un moment ou à un autre dans le mouvement. Attention, elle se place en bout de poutre. Alors, légère concentration avant la prise d'élan finale et sa sortie. Impulsion et c'est un double arrière. Très bien, mademoiselle Alexandra Soler. Championne de France junior qui participe à la finale des grandes. Pour cette jeune championne de France junior 1997. Et lorsqu'on vous dit de junior qui participe à la finale des grandes, cela signifie qu'elle se classe déjà parmi les 6 meilleurs gymnastes de France et elle n'a que 14 ans. Donc Alexandra Soler est à suivre. Oui, ça lui laisse encore un peu de temps pour s'aguerrir, elle aussi, puisqu'elle ne pourra rentrer en compétition internationale avec cette équipe qu'à l'âge de 16 ans, puisque telle est maintenant la réglementation.